On est de retour à ton Jukebox Country, évidemment. On vient d'écouter Highways de Fred Dion. Moi, j'ai le goût d'aller sur l'highway. Puis, sais-tu ce que j'ai le goût de faire, Martin? Quoi? J'ai le goût du gun show parce qu'on est des cowboys, nous autres. C'est quoi qu'on fait le gun show? Yeah, baby! Et voilà! Tu peux le faire toi aussi, Fred, si tu veux. Ouais, vas-y, parce que t'as des... Oh, hey, y'a des plus gros voilà. Là, là, là. Martin, on coupe ça, ce bot-là. Il y a des plus gros bras. J'agrandirai, tiens, au montage. Présente-nous notre invité formellement. Écoute, c'est un chanteur de... Il a le vent des voiles, le Québec d'après lui. Il est partout, partout, partout. Puis je suis vraiment excité. Je suis comme un petit gars qui va à Walt Disney, man. Fred Dion est avec nous. Yeah! Oh yeah! Salut, boys! Salut, Fred! Bonjour! Vraiment, vraiment content. Comme je ferais des présentations comme ça à chaque fois. Ben oui, mais c'est parce qu'il faut que tu viennes à ton Jukebox Country à chaque fois, mon chat. C'est spécial ici! Écoute, t'as un parcours extraordinaire. T'es vraiment un artiste que... tu sais, je fais de la musique aussi. Puis t'es un artiste que j'admire beaucoup. T'es dans mes playlists. C'est important ce que tu fais. Puis surtout, ta dernière tune, Highway, là, man, c'est dans mon top 10. Quand ça joue, les poils me remontent sur le dos. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est vraiment mon style de musique. T'as frappé direct dans le dash. Puis parle-nous de cette chanson-là. C'est arrivé comment dans ta vie, la chanson Highway? Ben, premièrement, un gros merci, c'est bien apprécié. Puis moi, tu sais, j'ai tout le temps aimé ça, faire des voyages. J'ai toujours fait des road trips, puis j'ai fait beaucoup de routes avec la musique dans les dernières années. Je me suis promené beaucoup parce que moi, ça fait déjà bientôt 8 ans que je gagne ma vie avec la musique, mais pas en tant que chanteur. Moi, je fais de l'accompagnement. J'ai aussi un autre band qui s'appelle Les Jacks. Fait que ça fait plusieurs années que je fais bien de la route pour le plaisir et pour la musique. Puis c'est en revenant du Colorado l'année passée que j'ai écrit cette chanson-là, qui est la chanson-titre de mon album, mais l'album était presque fini quand j'ai écrit ça. Mais je suis revenu de vacances, on était parti une semaine avec ma blonde pour voir un show là-bas au Red Rocks, peut-être que vous connaissez. Oh, cette oui. Ça avait toujours été un rêve d'aller voir un show là-bas, fait qu'on a booké ça, on est parti. Puis c'est en revenant que j'ai écrit Highways, qui parle un peu justement de voyage, partir sans trop de plans, en se disant on verra, parce que le Colorado, là, moi... J'avais toujours voulu aller voir un show là-bas, mais je connaissais rien d'autre que le Red Rocks. Je savais pas trop ce que je m'en allais voir, mais on s'était pris une couple de jours en se disant on verra bien. Puis on a vraiment trippé sa place. T'sais, des fois, quand on n'a pas trop d'attente, c'est là qu'on a des belles surprises. Là. Fait que le Red Rocks, c'était débile, mais tout le reste aussi. Fait que en revenant, j'ai écrit cette tune-là, puis il me restait une ou deux sessions de studio, là, puis là, j'ai dit à ma gang, hey, je pense que j'aurais une nouvelle tune qui mériterait de rentrer sur l'album. Fait qu'on s'est dépêché, on a fait cette tune-là, finalement, c'est devenu la chanson-titre, puis ça va super bien dans la radio présentement, fait que ça a été un bon coup. Ce voyage-là a été bien rentable. Hey, Red Rocks, man, il y a tellement d'affaires mythiques qui s'est passé là, man. Puis t'étais là, vraiment, puis t'as tout vu ça, là, comment c'est fait, puis tout avec les roches, puis tout. C'est écœurant. Pour vrai, la salle en soi, ça vaut le détour. Tu peux aller voir n'importe quel show là, ça vaut la peine, c'est sûr. Les billets sont jamais super chers, puis je me suis rendu compte une fois rendu que il y a bien du monde qui y vont sans nécessairement connaître l'artiste qui s'en va voir, ils vont juste parce qu'ils savent que c'est des soirées magiques. C'est mythique, ça, c'est pas d'hier, hein? Ça fait... Je peux te demander une question, Fred, justement, tu parles de Red Rocks, tu parles du voyage aux États-Unis. Est-ce que la musique country américaine est un... grande influence dans ce que tu fais, qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu aimes écrire et chanter? Tout à fait. J'adore le country. Moi, je viens. Ce qui m'a fait aimer le country en premier, je pense que c'est le bluegrass. Ce qui est au plus profond des traditions du country américain. Là. Moi, j'ai tout de suite aimé le bluegrass quand j'étais adolescent. Je trouvais que la virtuosité des musiciens là-dedans était impressionnante. Justement, les paroles qui appellent justement au voyage, la liberté, les belles histoires. Il y avait beaucoup de choses là-dedans qui me rejoignaient. Fait que j'écoutais du bluegrass au départ, puis ça m'a ouvert sur le monde du country, du folk après ça. Fait que c'est toutes des affaires qui me suivent depuis bien, bien longtemps. Puis écoute, je regarde là, ton décor chez toi, là, c'est comme zen. T'es un gars zen, right? Je me trompe. Tout à fait. Je sens cette vibe-là parce que je suis pareil, moi, là. Écoute, je fais de la méditation, puis un paquet d'affaires de même, puis je sens cette vibe-là chez vous. Ouais, ben t'as visé juste. Excellent, man, excellent, c'est cool. Puis là, t'as un paquet de shows, right? T'es partout aussi, tu joues tout l'été. Dis-nous une couple de places que les gens pourraient te voir, là, parce que c'est vraiment bon ce que tu fais.
Ben, merci. Puis ouais, effectivement, il y a beaucoup de shows, puis je suis bien ben heureux de ça. Il va y avoir. Là, je parle, mettons, on parle des gros festivals qui s'en viennent. Il y a les Rythmes de Tremblant le 21 juillet. Il y a le Cher Blues and Folk à Sherbrooke. Ça, c'est le 7 juillet. Il y a l'Asso le 19 août à Montréal. Excuse, Fred. L'Asso, man, c'est trippant que tu joues là, man. Mais ben, tu reconnais la chance que t'as, man, c'est on rêve. Il va ça, nous autres, tu sais, c'est comme... Le seul lasso que j'ai, moi, c'est le lasso qui m'a passé à travers du cou. Un jour, je dis aux auditeurs, je vais le faire. Ben, je te le souhaite. En tout cas, moi, j'ai vraiment hâte. Là. C'est toute une nouvelle que j'espérais, que j'attendais. Puis quand l'appel est rentré, là, j'ai vraiment été content. Ça pourrait. J'ai super hâte. Au 19 août, là, ça va être une méchante belle journée. Fait que, bref, là, je t'en ai nommé 2-3. Il y en a plusieurs. Les gens peuvent voir ça sur mon site web. Là. Les dates sont affichées. Il en reste encore à annoncer dans les prochains jours. Fait que, ouais, un gros été, on se promène. Hey, il y a des chances qu'on te voit, moi puis Martin, parce qu'on pensait aller à l'Asso justement pour faire des entrevues pour l'émission de radio et tout ça. Ça me ferait bien plaisir de vous voir. Faut juste, que tu nous, faut juste, Fred, que tu nous pognes des petites passes VIP. Ouais, écoute-moi, essayer de trouver ça. Mais m'a demandé à Simon Robitaille, il y a une couple de contacts qu'on a. On a le même promoteur. Fait qu'on est quand même. Écoute, il nous reste 2-3 minutes. Fred, ça passe vite quand on a du fun, comme on dit. Écoute, les gens, je sais que tu as des. Je pense que tu avais eu des problèmes avec ta page Facebook, hein, comme moi. Ça va bien à ce niveau-là en ce moment. Je suis il y en a beaucoup qui. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ça roule. OK, je pensais que c'était toi. J'ai perdu comme j'avais 8000 followers, puis ma page a fermé du jour au lendemain. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Je pensais que c'était toi. Mais je sais que. Où est-ce que les gens peuvent te suivre, Fred? Ils veulent savoir, écouter ta musique, tu dois avoir un site web, ces choses-là. Raconte-moi ça. FredDionne.com, la plupart des infos sont là, mais sinon pour me suivre au jour le jour, Instagram, Facebook, j'essaie de faire des TikTok de temps en temps, puis être un peu plus à la mode. Alors je travaille là-dessus, j'ai fait du contenu là, dans les dernières semaines, je travaille avec une équipe qui s'appelle Forêt Sauvage, on a monté plusieurs beaux vidéos en lien avec ma musique, fait qu'il y a des choses qui s'en viennent sur les réseaux sociaux. C'est Fred Dionne sur toutes les plateformes, sur évidemment Spotify, iTunes, Apple Music, etc. C'est ça, les gens s'ils veulent écouter puis me suivre, c'est là. Ben écoute, nous on continue à jouer ta musique. Il nous reste encore une minute, fait qu'on a le temps de te parler, on veut découvrir d'autres choses. Juste vite fait, là, écoute, sans dire ton âge, ça, t'as commencé quand à jouer de la musique? T'es-tu tombé tout de suite dans le country ou t'as fait du métal puis des choses, puis la vie t'a amené au country? J'ai pas fait de métal. J'ai toujours été. Moi, j'ai commencé jeune quand même la musique parce que mes parents sont musiciens. Moi, j'ai toujours baigné dans une famille où il y avait de la musique. Fait qu'on jouait chez nous dans le salon et tout ça. Fait que pour ça, ça a été bon. Pour moi, j'ai eu une guitare dans les mains dès que je suis né. Moi, parce que j'ai étudié en batterie au cégep. Ah oh, ouais. La guitare acoustique, ça a toujours été au centre de ce que je fais. J'ai toujours adoré les choses plus acoustiques. Justement, je parlais du bluegrass tantôt, mais le folk, je viens de là, le country, c'est ancré en moi parce que c'est toujours ça que j'ai fait, jouer de la guitare, m'accompagner en chantant. Fait que j'ai joué de la musique toute ma vie, mais comme je disais tantôt, ça fait 8 ans environ que je gagne ma vie avec ça. Principalement avec mon groupe Les Jacks au départ, là, maintenant majoritairement avec ma carrière solo. Fait que ça, c'est vraiment trippant. Puis il y a plein de. On parlait des beaux shows, mais de ce temps-ci, je suis vraiment honoré. J'ai eu la chance de faire les premières parties de Matt Lang puis de Deux Frères comme ça. Ouais, j'ai vu ça. J'ai emmené beaucoup dans les derniers mois avec ça. Puis ça, ça me permet d'aller à la rencontre du public puis de développer mon projet encore plus puis de combiner ça avec radio. Ça permet. Tu sais, les gens, souvent, ils me rencontrent dans ces premières parties-là, mais ils avaient déjà entendu la toune, mais on dirait que le combo des spectacles plus la radio, là, c'est idéal pour que les gens me découvrent pour vrai, qu'ils fassent l'association. Ben, nous autres, merci. On va te jouer en masse. Ouais. On te remercie d'avoir été là. T'es super, mon chum. Puis j'ai hâte de faire de la musique avec toi. Merci, Fred Dionne. Puis on s'en retourne en musique, les amis. Oh yes, merci, les boys.